Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, état de siège. Président Félix Tshisekedi a décrété état de siège na Congo. Le autre côté, na mozindo pour comprendre pourquoi état de siège. Tout le monde aussi la muka bango si ba pesi d'explication na bango raison na bango o baza ko boya état de siège selon le président Félix Tshisekedi et aussi Sanko, la bête sur président et à parlement la biso, mais c'est Mbosso. Bah, le bango si faut mener enquête na est République démocratique du Congo, précisément bah état ou bah province ou bah des états de siège. Tu reparles aussi, mais si affaire oui bah Konga ou bah condamné de 3 ans de prison, moi on a 6 mois. Tu recoutes un peu en profondeur pour ce qui se passe avec le professeur Kwangela Martin, universitaire. Maire honoraire à Champigny, écrivain. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Et aussi, M. Kamani Pascal, Azali, analyste politique et aussi président des clubs de recherche pour le développement durable et la République démocratique du Congo. M. Kamani, bonsoir. Bonsoir. Monsieur voilà, bienvenue dans cette émission. Le président de la République a sali discours, naïe, premièrement. Et Azali, d'abord, ministre et à. Il y a information, on a annoncé qui était des sièges Joana et par la suite le président lui-même a pris les dessus. C'était la raison au même pour le Bakina émission. Il fallait qu'il y ait un moment à tenir discours Joana et tant que président Mbo Kanabiso, il l'a fait, il a dit. Alors, en gros, qu'est-ce que vous pensez de discours Naye pour vous, beaucoup de discours Naye, professeur? Merci beaucoup, Nenge, au invité Bissot pour nous parler de Mbo Kanabiso et je salue aussi Napesim Bote, Nabatu Oyo, Balanda Rabiso, Naba Échange Nabiso et aussi bonjour à mon co-débatteur. Alors, d'abord, avant tout, banda vraiment pour étudier dossier Foteba, qu'est-ce qu'on entend par l'état de siège? L'état de siège, Ezali, na article 85 de la Constitution d'Abisso. Et Fonatanga Yango, Balobi Boué. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité nationale ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence. Nasuki Kawawana, parce que après il y a des procédures à vous respecter. Donc, alors, état d'urgence, Ezali, mesure Moko Bazouaka, et on dit aux Alaf, le président ou le premier ministre, suite il y a insécurité. Donc, insécurité, Ezali, plus de 22 ans à l'Est, Bissot Bandakala, toi, Lobayango, qui a proclamé état de siège. État de siège, Ezali, c'est-à-dire que l'administration est qu'on a la remplacée par la police ou par l'armée. Et aussi, d'une manière générale, quand on parle de l'état de siège, mesure il y a plusieurs choix à faire. Donc, ceux qui le déclaré état de siège, l'administration est qu'on a la remplacée par l'armée ou la police, d'une manière générale. Bon, il faut restreindre aussi la liberté, par exemple, état des droits. Il faut aussi restreindre la liberté, il y a médias. Il faut instaurer couvre-feu. Et ça dépend, il y a choix beaucoup ça là. Mais à part état de siège, il y a aussi état d'exception. État d'exception, il y a un état d'urgence, état de siège, par exemple, il y a un décret qui est à Kinshasa, état d'urgence sanitaire. Et Zali va restreindre la liberté, et puis nous pouvons atteindre la mission Mouroboye, objectif Mouroboye. Et tant que toujours parler aussi d'état de siège, souvent, Ezalaka accompagné dans ce qu'on appelle la loi martiale. La loi martiale, dans le sens que comme c'est l'armée, Azago administré espace Wana, donc la liberté Moussousou va restreindre, et aussi c'est l'armée qui maintient de l'ordre, et ceux qui. Pour respecter l'ordre de mon société et indique que Mabinope n'a pas peine de mort. Donc, voilà d'une manière brève état de siège, état d'urgence sanitaire et état d'exception ou loi martiale. Et après, tu recoutes un débat, ce qui, après avoir présenté, élément nuance. Mais c'est comment y a-t-il une différence entre état de siège, état de guerre ou état d'urgence? Pourquoi, faisant Félix Tshisekedi, a jusqu'à état de siège? Oui, il y a une différence puisque merci d'abord pour l'invitation. Na PSP Batnyo Soubaola na Bison Mbote, Mbote Soussou na zone ici na mon co-débatteur, monsieur le maire Martin. Il y a une différence entre les trois régimes d'exception ou mesures d'exception et Zouamaka. Donc, état d'urgence, c'est vrai que
pouvoir et ça renforce un pouvoir civil, donc pouvoir de l'ordre des forces, l'ordre public, mais et ça dans ma bourre il y a la civil, donc pouvoir on a il y a civil et ça renforcé parce que ça a la restriction un peu il y a la rebelle, la liberté, la rebelle. Donc mais ce que total na état de guerre, c'est vrai que pour déclarer guerre on a armé na viso et qu'on même qu'on intervenait et pas papaya. Tout le monde a mis les États-Unis, dans Bamboko, au moins non, armée française et qui va intervenir dans Mouramoussous. Bon, état de siège, c'est vrai que vous avez ou soit national ou soit restreint. Parce que bon, secteur moi, vous avez touché, Yango va déclarer état de siège. Mais donc, Yango, contrairement à état d'urgence, et ils allaient moi degré supérieur à état d'urgence, parce que Awa. Pouvoir, il y a civil, ils ont renforcé, mais pouvoir, ils ont renforcé, ils ont pouvoir militaire. Ndenge, monsieur le maire à l'objet, c'est un peu la loi martiale, c'est-à-dire bah, transférer pouvoir na armée. Armée de Moutou a eu pouvoir, il y a contrôler secteur, pour ramener la paix, mettre fin, tant sous ce qui est coup d'état Zalaki ou tant sous guerre civile, tout ça. Donc, Yango va déclarer, oui, M. Félix Tshisekedi dit, conformément à la constitution de Mboganabiso, vit en s'appuyant sur le fait, où il y a ça dans l'Est de Mboganabiso, Aza, normalement, na ba compétence, wana, Yango déclarer état de siège. Mais, si quoi, je pense que tant que tu as en profondeur à débat, tu vois, bah, bon, pourquoi Kaka va proclamer Kaka côté wana. Parce que pour nous, il fallait éteindre Sud Kivu. Parce que tout ça, le problème, c'est que nous avons trois pays étrangers, Ouganda, Rwanda, Burundi. Et encore, pour nous, il fallait qu'il normalement, déclarer bien avant. Bon, on peut comprendre, non, le président Kota Sika, tout ça, pouvoir, il fallait qu'il renforce le pouvoir dans l'impérium. Oui, mais maintenant, on va peut-être entrer dans les profondeurs pour savoir mais est-ce que ça a été bien préparé? Est-ce que l'état d'urgence a une motivation politique derrière T? Est-ce que ça vraiment, c'était le moment de le faire? Avec quelle hauteur et quels moyens? Ce que nous avons à comprendre, est-ce qu'aujourd'hui, les gens au terme l'état d'urgence, état de siège, est-ce que c'est normal ou pas? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont au terme l'état de siège, est-ce que vous avez animé l'état ou pas? Bon, ça dépend parce que il faut voyez bah, non parce que na vie non tout à fait acteur au bah pour ni bango parce que ce qu'on t'allait bien les deux généraux au bah pour ni bango wana on a revenu même na diagnostic même il y a armée na biso il y a FARDC parce que tant bah ça les diagnostic il y a armée tout ça le problème t'es à quoi gagner guerre ou bien ceci cela non problème na biso les amis les problèmes il y a fonctionnement il y a FARDC. Parce que je peux retenir trois points. Dans le diagnostic, il y a armée Nabisso. Premier point, il y a un problème, on est acquis toujours par officier Nabisso, la complicité ou appartenir à un réseau criminel. C'est-à-dire, on a un groupe, voire même dans un pays étranger, on a un réseau criminel pour exploiter les minéraux Nabisso, le bois, tout. Et puis, deuxième point, voire même le premier point, au moins, il y a un groupe qui s'appelle NDC. Le groupe qui s'appelle NDC dans les Massissi, il y a un important tenue militaire, il y a armée dans l'Abisso. Il y a tout le temps, toujours, on a affaire à la complicité dans la carte, il y a FARDC. Et puis, le problème, c'est que qui est sous la carte, il y a diagnostic, voilà. Où il y a mauvaise organisation ou gestion, il y a FARDC, et ça va détournement, il y a Mbongo. Parce que ce qui est bien ici, 2 millions, na Kinshasa, le gouvernement bien ici, 2 millions pour un effort de guerre. Au moins, on attend Ituri, et au coup, on attend 50 000, 30 000, 5 000. Sur 2 millions. Sur 2 millions. Donc, à partir de Kin, déjà, on va dire Oyiba. Voilà, politicien, politicien, parce que c'est arabe. Bango. Donc, au moins, on a dit non. Voire même sol il y a bateau baza envoyé sur les terrains bah refoute à bangoté voire même ration à bango ils ont combattu
Parce que le parce président, que le président détourné. Le président Lobé a un discours, il ne faut pas qu'il y ait des efforts pour nous foutre les soldats dans l'Est. Professeur, il y a tant que maire adjoint honoraire en France, en 2013, lorsque Charlie Hebdo est Kouyaki ou encore Charlie Hebdo, tout le monde qui est terroriste, va mériter pour attaquer aussi le président Hollande à l'époque dans le Stade de France. Alors à cette époque-là, le président français, il avait dit clairement, c'est-à-dire le discours que nous sommes en guerre. Oui, je me souviens. Est-ce que Zalaki a décrété qu'il était état de siège ou état de guerre aussi? Alors, oui, je me souviens, Tango, bah, terroriste, il y a eu plusieurs fois, mais a décrété qu'il était de siège. Malobakike, nous sommes dans un état de guerre. Guerre moko invisible contre les terroristes. Et maintenant, pour revenir à Nabambo Kanabiso, moi je pense que ce qui Olandi parcourt, il y a Félix Tshisekedi, au moment où il y a une décision radicale. Et tant que l'on a dit, il y a à Paris. Il y a à Paris, il y a des gens qui sont à Paris. Il faut décréter état de siège dans le secteur. Il y a Nord Kivu, Naituri. Pour quelles raisons? Suite, il y a criminalité. Suite, il y a Baguero et Zakuna. Suite, il y a ce qu'on appelle. Zone de non-droit, c'est-à-dire que l'État a sous son autorité dans le secteur Wanati. Or, l'État doit son autorité partout dans l'espace news. C'est la raison pour laquelle monopole, il y a contrainte, n'est pas le bac en politique, et c'est là qu'il y a un secteur Wanati. Donc, PC qui est conseil, que tant aux Ozonga déclaré état de siège. Et aussi, ce qui a déclaré état de siège Wana, et Zali Pona a pacifié le secteur il y a Estewana pour des raisons on a été énuméré et à pacifiant d'abord il a fallu il y a eu plusieurs sortes de mesures mais il y a privilégié administration militaire na administration policière Pona pacifier le secteur Pona, l'État a commencé ce qu'on appelle le monopole de la contrainte. C'est-à-dire que les alités qui sont seigneurs de guerre, à Kangi territoire, à Komiko, Salaba, pillage, ainsi de suite. Donc, on a besoin que l'Est soit pacifié. Mais maintenant, commandement militaire, il faut aussi respecter ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. C'est-à-dire que la législation a vu ça, et ça, c'est un peu de respecter. On craint aussi que les lots avec l'administration militaire, que Bakendekuna, on les basse la mission Batindeki Bango Basali Angote. À ce moment-là, on aura besoin de la cour martiale. Ça, c'est très important. Et puis, espace on est que vous allez gérer par l'armée. Donc, pour moi, moi, je suis partisan, il y a état de siège. Moi, je comprends qu'il a fallu depuis longtemps basse l'état de siège, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est l'obligation des moyens et l'obligation des résultats. Quels sont les moyens qu'on va mettre à disposition à Bango pour atteindre l'objectif? Pour nous, on a un slogan parce que nous, on a besoin du concret, on a besoin de résultats. Et aussi, ça c'est l'armée, pour contraindre l'insécurité, nous sommes les cas dans l'Est. Et aussi, maintenant, la police. Police, rôle naïe Zalaka pour maintenir l'ordre, pour protéger les personnes, pour protéger les biens, pour accompagner ce qu'on appelle l'ordre public. Mais na, exceptionnellement, dans le cadre état de siège, la liberté n'a pas non, et Zali diminue en gros, c'est-à-dire liberté d'aller et venir les associés, parce que dans le cadre état de siège, on peut venir faire fouiller, pour nous battre arme, tout ça, n'importe quelle heure. Donc, Zali, bien expliqué par la loi. Et ce qui compte aussi, il faut que tu aies la sikoyo, est-ce il y a la moralité, il y a la police Nabiso, il y a la moralité, il y a l'armée Nabiso. Bien sûr qu'il ne faut pas penser à la déontologie Mokoboye pour nous repérer ça, pour nous administrer le secteur Wana pendant tant de jours. Mais ce qui compte, ce qui va réussir mission Wana, et que ça a un très bon exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement Ndenge, le président Lobaï, qui est le terrorisme islamique. Non. Il faut dire des choses comme telles. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi qui entretiennent rebelles pour nous déstabiliser. C'est-à-dire que
dans les discours, ça n'a pas été dit, mais c'est ça ce qu'il faut dire aux Congolais. Mais c'est Kamani, parce que là, on parle vraiment d'un état de siège. Les Congos attaquent, par exemple, attaquer les terroristes. Les terroristes, aujourd'hui, est-ce que nous avons la Rwanda ou pas? Parce que nous avons le Congo pour nous faire là-bas. Le président fait que ça dit qu'il y a une base arrière dans le Congo. On suppose que la base arrière peut attaquer Rwanda. En aucun cas, attaquer Ouganda, Rwanda, Burundi. Alors, lorsque vous attaquez, vous avez besoin de Rwanda ou vous avez besoin de Congo. Et ceux qui ont besoin de Rwanda, est-ce qu'ils vont encore demi-tour chez nous un jour ou pas? Bon, c'est vrai que clarté, mais M. le maire à Lobby, certainement, Félix Tshisekedi est envoyé en France, mais Macron peut-être a soufflé ou a pris ses conseils à procéder à Ngwana. Mais je me rappelle que tout ça, là, mission depuis l'année dernière, en avant, on a déjà dit qu'il y a état de guerre, a déclaré état de guerre, état de siège. Mais, n'abandonne pas les gamins pas diagnostic parce que tu as trois points où ils sont vraiment importants parce que il faut y bagner non toi on a problème il y a un effectif fictif ming nambo kawana ceux qui habitent en ce nord ont 1700 personnes bah que nos bundaguna mais tant au bokeh sur le terrain bah ça en sous 300 donc on a affaire à bas généraux mauvais au bas ça bah immoraux il y a au sarnati bah corrompu et puis ce qu'on a les biens il y a toujours le trois règles. Trois éléments Oyo, ils ont toujours coexisté. Il y a l'impunité, il y a l'opacité, même il y a Bamaka Mwananyoso, et puis tout ça a affaire à un réseau criminel. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment Bakoyo a nommé deux généraux, ce que tu as bien, général Oyo a nommé na Ituri, c'est un ancien, il y a MLC. Le nom général, ton a noté comment on a eu Awa. Général Luboya, Luboya Kachama, Obatie non, Yebatie na Nord Kivu. Luboya Kachama tant au Rotala, passé na récent au moment que non, Azalagi na RCD. Or RCD tu es que non, Bazalagi soutenu par le Rwanda. Rwanda. Le chef Rwanda. Donc c'était des marionnettes, il y a Rwanda. Il faut tout le monde dire Azali. Mais tant au que na général Moussous Obatie na Ituri. Monsieur Costa Ndima, Kongba, na Ituri. Tant qu'on a passé na récent, au moment où non, y a Azalaki, peine à rébellion côté à MLC, côté à Ituri, soutenu par l'Ouganda. Mais pourquoi toujours qu'on aura la même personne, wana? Oyo, tu es bien, non, bah, tika la peau, c'est un pardon, t'es, amisipe salamate na mboka wana, bato baza sali. Toujours le même qui reviennent. Partout, sur le côté même la politique, aucune armée, aucune police, on retrouvera la même personne. On a basé une RCD, basé une MLC. Bato basé qui hier, marionnette y a Rwanda ou marionnette y a Ouganda, c'est toujours le même qui revient. Est-ce que Bazo représente? Est-ce qu'il y a pas votre officier? Est-ce que Bazo représente aussi danger ou pas? Parce que peut-être qu'il va changer aussi. Bunde la Congo. Ceux qui Mutazala jamais inquiété, ceux qui Mutazala jamais reproché de quelque chose, ceux qui Mutiyemo consciemment. Aya côté le matériel non na sengi pardon na mboka na sala ibino mabe. Est-ce que mutuana akokiko mérite moi confiance ya peuple na ebité mais quand même le fait quand même il y a moment où va passer na kati ya rébellion wana parce que roi nangope ezala condamné té. Je rappelle que non il y a une condamnation au ya justice internationale il y a sur cour internationale de justice où est condamné ka Ouganda. Na 1999, les 23, il y en a 2000, je crois en 2003, bah condamné Ouganda, mais plainte parce qu'il y a eu trois guerres na Kisangani. Il y a eu guerre moi Salamagi na août 1999, Moussou Salamagi le 5 mai 2000 et puis troisième guerre de Salamagi na juin 2000 car de na même année on des aiki na ba koufagi belé, il y a eu plus de 1000 morts. Il y a moné pour ça qui Mouzé à l'époque Laurent Désiré Kabila a porté plainte contre les trois pays wana, Rwanda, Ouganda et Burundi. Bizarrement, tu comprendras que nous avons retiré plainte à Burundi et Rwanda. Ouganda. À l'époque, il y avait un ministre de la Justice, Mwenze Kongolo. Il faut quand même histoire. Tu rappelles à Rabat, il faut retourner pourquoi nous avons retiré plainte wana. Et je rappelle que non, plainte wana a retiré en gros deux jours avant d'assassiner Laurent Désiré Kabila. Sûrement qu'il y a eu quelque chose. Parce qu'il y a eu trois pays Oyo, qui ont massacré le territoire. Il y a quand même violation. Il y a territoire, violation grave, il y a droit de l'homme. Mais, retirer deux pays, il y a un pays, Ouganda,
au Azalaki condamné. Et les mêmes personnes, au Bazalaki qui joué dans la carte à Géwana, bah, officier au Tangi Kombo, au Tangi Kombo, au nommé Bango, le même officier, au Azalaki proche na Rwanda, Batiena Ers, na Nord Kivu, au Azalaki proche na Uganda, Batiena Ituri. Parce que vous maîtrisez la couronne, peut-être c'est pour ça que va passer éviter. Moi, je pense que. Batouana n'y a son alobari non, oh bazalaki na katia ba guerre wana, bazalaki normalement batumoro, tant que basen ma peuple pardon te, tant que aminisye salamate, tant que tokena na justice transitionnelle te ou justice, justice internationale te na mbo kanabiso, tribunal pénal international na mbo kanabiso, donc batouana normalement, il faut tous se méfier na bango, parce que ni n'y a son alobari ba changea. Et l'autre, moi, je vais changer. Mais je pense que le président Félix, est-ce qu'il a été bien préparé? Parce qu'il fallait de moyens aussi matériels, logistiques, financiers, tout ça. Naba tout oyo, les hommes, ont été intervenir dans le territoire. Professeur, moi, parce que tant que vous avez un terroriste, vous n'avez pas un bango. Pourquoi pas la FARDC aussi, à quand les frontières, vous avez tout exterminé dans la carte? Parce que si vous avez un Rwanda ou Uganda ou Burundi, bon, on dit qu'on revenir encore poser son combat nuit encore un jour. Moi, je pense que au moins tant qu'on va pacifier Est, c'est-à-dire vous ramener peine à Est. En politique, il y a deux méthodes. Il y a la méthode qu'on appelle la méthode préventive, c'est-à-dire que vous vivre les lots, vous vivre sous l'obité, c'est-à-dire faut que vous mesure. Bah, mais il faut être efficace. La méthode qu'on appelle méthode curative. Oyo, Congo, c'est méthode curative parce que il n'y a pas ici qu'on appelle la diplomatie préventive. C'est-à-dire, il y a au moins un danger et comment qu'on contrecarrer le danger dans les jours à venir. Je pense aussi, ma cambo, toujours les canangos, les lots, ils ont expérience, mon coboyé, pour nous permettre de zonger la situation. T'as là, par exemple, représentante des Nations Unies, Mme Keïta Bintou, à Koutenaki, na président de la République le 4 mai, Azaro Senga, Bassala, par exemple, la création de la maison de MONUSCO. Un, na Nord Kivu, et deux, Bassala Ngosusu, na Lubumbashi, na Okatanga, c'est-à-dire na Ben et na Lubumbashi. Moi, je pense que offre wana, faut qu'on refuse Yango. Pourquoi qu'on refuse Yango? Parce que les lots, on est au vendu pendant longtemps, va changer va combo, mais et l'eau comment que ça l'a été et ça l'a maté pour naki lobby Congo et comment a payé lobby Congo et soit Kimia non on a parti à Est et azo senga basa la maison de la MONUSCO na Beni na Lubumbashi, mais il faut dire non. Pourquoi? Parce que bozo kota toujours na néocolonialisme. Oui, donc, bon, ici, on y pona vanda na yé, libela na maison na yé. Or, peuple, écoute na yé, tour, écoute, ko, a lingi ko yoga kombo ya MONUSCOté. Donc, même moi, si wana, bien sûr, aza africaine, mais africaine, pour représenter les intérêts, il y a ce qu'on appelle le néocolonialisme. Natanga ki rapport wana, il faut qu'on rejette yango, toza na posa ni. Il y a création, il y a maison, il y a MONUSCO, ni la MONUSCO lobby parce que tel est le résultat ezali négatif. Professeur, parce que la MONUSCO, on a toujours un souci qui est tout ça, la dialogue intercommunautaire. Est-ce que le fait qu'il y a longtemps et que vous poussez encore demain, toujours encore un dialogue intercommunautaire ou pas? Parce que le Premier ministre récemment a lobby qui est en aucun cas, beaucoup de ça encore, force ou non, après ça, armée Namiso. Oui, intercommunautaire, c'est-à-dire plusieurs communautés. Et ce qu'on a dit très bien, il faut aussi qu'on refuse. Pourquoi qu'on refuse? À chaque fois quand il y a eu des crises dans le Congo, et au moment où ce qui la communauté internationale est, c'est toujours dialogue. Or, dialogue, voilà, et même à la un, bon intégré, militaire, on va faire des ordres. Or, militaire, ce sont des Rwandais. Bon intégrer bon armée en abisso, il y aura deux mots, une réinsertion ou intégration. Bon intégrer bon les lots Congo est comme faible à cause il y a mesure, il y a réintégration. Donc aujourd'hui, pour être réaliste et pragmatique, le Congo a besoin de la victoire militaire et non d'intégration, de réinsertion, comme on entend souvent pour la lobby beaucoup moins.
bah Jean double le Lozali pour le Congo, le Lozali pour le Rwanda. Tu étais sergent d'armée rwandaise et général d'armée congolaise. Ça, c'est des insultes. Et pourtant, nous avons bateau, bah salaf, bah formation militaire, mais bah mettez de côté pour des gens qui n'ont même pas de parcours militaire. Tout ça, c'est à revoir. Et bien sûr, ceux qui le lobonibo intégré bango, bah domaine est belé. Botine demande bah domaine nous sauf l'armée. Laurent Désiré Kabila a dit la guerre. Laurent Désiré Kabila a dit la guerre sera longue et populaire. Vous aurez pas ces outils. Le président rwandais Kagame aujourd'hui a comme qu'on s'est préparé aussi militairement. Est-ce que la paix au Congo na est aussi que provoquer départ naïe ou pas vu qu'il a remis aussi dans le pouvoir. S'il faut être réaliste et pragmatique, aussi longtemps qu'il n'y a pas la démocratie na Rwanda, le Congo et qu'on s'en a pété. Donc c'est au Congolais maintenant. Moi, je crois aux Congolais. Bah, c'est préparé, n'a pas challenge, bah, c'est préparé, n'a pas défi. Et pour y arriver, il faut, niveau, il y a moralité, motivation, commandement, et accompagné par les mesures modernes, il y a tout ce qui est logistique. Moi, je pense que c'est un droit, il faut protéger les territoires. Donc, s'il faut utiliser plusieurs moyens pour protéger nos territoires, moi, je soutiens l'initiative. Et sachez-le très bien, que les lots, nous pouvons faire beaucoup de choses, mais ceux qui vont penser à l'art de la guerre, vont penser à la doctrine, vont penser à le commandement, vont penser à la discipline, vont penser à tout ce qui est logistique, et vont penser aussi de ce qui est moralité. Moi, je pense que nous avons, il faut seulement qu'on motive les troupes. Qu'on motive les troupes, et un jour, on peut faire aussi des défis. Et c'est comment on pensait que le général Obatine a été comme gouverneur, à Zahir Kotan Jean-Pierre Bemba. Quand Jean-Pierre Bemba a plus mentor là-bas, mais ils ont Museveni parce que bah chef, il y a bah cartel ou ils ont Museveni de l'autre côté, na Kagame côté Mususu. Mais tant que bah toi là bah koyate, yo kani si bah serviteur là-bas bah disciple là-bas bah parce que bah non les disciples accomplis selon le maître. Donc bah disciple là-bas tant que bah Zawana bah Zala jamais inquiété, na bah ba kozina bango ba chef ba cartel wana bazala pe jamais inquiété ngai naza na doute vraiment ya résultat moko positif pour na opération oyo et puis on parle même pas de fermeture de frontières parce que ceux qui boko kanga frontière te mais Kagame ala kisibino ke non yazo préparer armée na po ba ya lisusu ba ya ko attaquer biso biso na mboka na biso il faut toi ba ko identifier ba ennemi na biso et ça, tout ça a problème vraiment à peuple rwandais parce que bah nous on a ce que va congolais mingi bah na na Rwanda baza bien na kei na mboka wana tout ça plus na problème na régime des rwandais bah régime rwandais tout ça bah régime a problème yango ne tout ça tele melango même président na biso Félix Tshisekedi bah opération à boye il faut ça même bien entouré. Il faut en avoir expert moro boye batou o ya confiance. Moi je pense que j'avais même noté ici, il faut signer ce même batouana, parti républicain contre la trahison et contre l'espionnage. Parce que tout le monde a gagné batouana même conseil spécial naïe. A ou d'un Rwanda a signé accord. Mais comment tu reprends ça crédit dans l'opération OE? Parce que diplomatiquement, la relation est allée, ce n'est pas interdit. Mais oui, parce qu'à Rwanda, tout le même un accord militaire dans le pays. Donc je pense que quelque part, tout le monde est un peu sceptique pour la mission OE. Pourquoi qu'on dit qu'on s'entoure dans le Congolais? Ah ouais, Bélé, bon, bah, spécialiste dans le domaine, voilà, tout ça, Jean-Jacques Wond, en Belgique, où le président Félix a aimé très bien. Et il est connu, compétence, il y a un expert à travers Mingi, bah, conférer la mission Mingi, il y a ONU. Mais, Moutouboué, il y a beaucoup de gens associé quand même à un problème, on a un intérêt vraiment public, intérêt national. Moi, je pense que le président Félix n'était pas vraiment préparé pour l'opération Oyo. Peut-être président français a imposé Yango pour peut-être des raisons ou politiques ou tout éviter. Mais en tout cas, je pense que ça n'a pas été bien préparé parce que ce que mon peut positionner même à Monisco, Bazolo va créer maison. Il y a Monisco, Nakati, à Congo, c'est pour s'installer durablement. Or, peuple aligné, population alignée, présence à Monisco. Monisco, ce qu'ils ont dépensé, budget d'abord 1 milliard 600 millions de dollars par année, annuel pour la dépense, où il y a présence là-bas, on a RDC, Bango Baganyara, 10 fois plus, voire même 20 fois plus, parce que j'ai un ami à travailler à Bango, à expliquer comment va gagner en Bango.
Voilà, on a compris le mot parce que si le président a maîtrisé, il y a un expert déjà, guerre pas de guerre. Est-ce que ceux qui ont fait des terroristes, ils sont là? Aux Obama, le président Museveni qui est mentor, il y a Jean-Pierre Bemba qui a fait ses instructions contre Félix Tshisekedi et pas Jean-Pierre Bemba. Non, non, Jean-Pierre Bemba, c'est une marionnette. Tout est bien, non, il fonctionne pour Soros, il fonctionne pour la multinationale. Il n'a pas vraiment de pouvoir. Et puis Jean-Pierre Bemba ne peut rien faire pour ses pays. Il ne peut rien faire. Bah, où tu es au Roger Lumba, là, si on continue à profonder le dossier, on aurait pu aussi arrêter Jean-Pierre Bemba. Pour la crime, sur y a un problème Congo. Quand il y a un CPI, oui, il y a un problème, il y a RCA. Mais si on a un problème, il y a un de justice. Normalement, ça, Moutoumoro, non seulement à ça la politique, et puis Moutoumoro, il ne peut même pas apparaître devant les gens. Puisque ma bombe est belle. Quand il y a un Équateur, il n'y a pas de pigme, il y a un massacre. Quand il y a un tour, il y a un MLC dirigé par Jean-Pierre Bemba, il y a un massacre. Non, moi je pense que batu nyonso ba sala ba guerre wana na lobarango bazana makila ya batu na maboko na bango puis na conscience na bango. Et tant que batu wana ba rozala toujours na devant na contrôle ya système politique ya mboka na biso et loko moko sala mate. Malheureusement, le président Félix Tshisekedi a préféré à s'associer na bango comme des partenaires, de nouveaux partenaires ou privilégiés. Mais en tout cas, c'est une erreur, il va regretter, mais il a préféré qu'on s'associe à Bango. Professeur, la Cinco va visiter le président à Parlement, mais c'est Mboso. Va lobby que Bango aussi, parce qu'ils sont d'accord dans l'état de siège, mais Bango va aussi pouvoir mener aussi banquette dans des provinces où il a décrété l'état d'urgence. Est-ce que c'est important aujourd'hui, va permettre aussi la Cinco de mener une banquette dans l'état ou non? Dans la province, disons. Oui, moi je pense que tout ça, la démocratie. Donc, ceux qui démarchent Nabango, demandent Nabango, est allouable. Parce que, pourquoi il y a toujours contre-enquête? Parce qu'on ne sait pas, nani, azali, na cadre mafia, nani, azo travaillé correctement, ainsi de suite. Pourquoi pas, ceux qui contre-enquêtent, azali, rien que pour chercher la vérité. Parce que, il y a très bien qu'insécurité à Est. Kinshasa. Donc, le climat, il y a méfiance, Ezali. L'objectif, c'est quoi pour un État? Ezali, la politique, il y a paix et sécurité. Premièrement, photo Lukase qu'on appelle autorité de l'État. Na, République démocratique du Congo, Mobimba. Et aussi, qu'on maintenir et qu'on consolider la paix dans les jours à venir. Et ça fait plus de 22 ans. Si aujourd'hui, j'ai toujours dit que tu as les pouvoirs, oui, tu n'as pas l'autorité parce qu'il n'y a pas l'autorité de l'État na Est. Donc, c'est que lobby, il faut autorité, et ils allaient respecter partout. Et il faut, ils allaient respecter partout parce que c'est à ce moment-là, on parlera d'un État. Parce que l'État, ils allaient un. Territoire, ils allaient un exercer autorité et aussi la population. Or, on ne peut pas dire les Congo na est kuna l'État aza quoi assurer sécurité. C'est la raison pour laquelle l'administration militaire peut ils allaient ponako matérialiser le pouvoir de l'État dans le secteur ouana. C'est ça ce qu'on dit en droit, qu'on matérialiser. Et il y a trois notions, l'État, l'intérêt national et la puissance. Il faut que l'État exerce sa puissance partout. Je suis d'accord avec vous, mais il faut aussi une chose. Parce que depuis longtemps, pourquoi la MONUSCO, parce que la MONUSCO, ils allaient brancher à Vatican. Vatican, ils ont l'État, comme moi, ils ont l'ambassade, ils ont Vatican aussi. Alors, lorsque Vatican a mené banquette, ce n'est pas pour étouffer aussi le dossier, juste comme on l'a dit, que la MONUSCO a aussi créé maison de la MONUSCO. Est-ce que le Vatican, lorsque il y a l'Est, qui est représenté par la catholique, ils ont pour étouffer le dossier, juste pour étouffer aussi quelque chose? Non, je peux colonger la piste où on a ya Vatican et pourtant la diplomatie où ils sont vraiment efficaces, c'est la diplomatie à Vatican, ça c'est vrai. Mais où y a bango bazo salawana, c'est du néocolonialisme dans le sens que bah grande puissance pour n'abat continuer contrôle ya Congo. Rien que par la MONUSCO, bazar au Senga. Pourquoi pas que nous tchons maison à MONUSCO, pas que nous tchons qui quitte. Pourquoi pas? Là où il y a la richesse à Congo. Si je vous dis ça, parce que ça l'analyse et bon fungo la mise. Là où il y a des richesses et aussi dans Lubumbashi. Non, le calcul,
je demande à la diplomatie congolaise et ça là-bas travaille. Il nous faut de la diplomatie qu'on appelle la diplomatie intelligente, la diplomatie moro ponarco préventive dans le sens que lobby berer au Congo côté non le lot et y a sous-souté déjà offre na et ça a rejeté et aussi ceux qui t'ont ligné tous à la bien les lots. L'arme la plus efficace, il faut compter sur Bissomoko, tout en a une armée forte. Une armée forte, monsieur Kamani, ça craint ou pas présence à Monesco Kuna? Oui, ça craint beaucoup, puisque il faut dire que non, on a parlé déjà de deux, on a trois éléments, l'impunité, l'opacité, dans un réseau criminel, il y a FARDC, Bissomoko, tout est fonctionné. Et puis, ce que tu as bien, il y a Est et Wana, tous les généraux ont problème. Au Bazala cité dans ma rapport, ma ping, ma tout, même Gariton, au moins, il y a non, Bazakaka n'a poste. Tous les généraux, Yav, Obed, tout, ils sont toujours là, bouger, bangoté. Et puis, Monisco, quelque part, je pense que Aligny, quand même, a confiance, Ming, n'a pas. Je parle à Vatican, moi. Ouais, oui, Vatican, mais moi je reste d'abord sur. Pardon, je parle de Cinco. Cinco, Bazana, peut-être la confiance, Ming, vie. Vu comportement ya batouana ba généraux wana ba officiers wana et puis na complicité na Monisco avec des pays oyo prédateurs Rwanda Ouganda tout ça je pense que Cinco alliés quand même pe a luka az à la présent pour na ko rassurer population et puis ko vérifier que non bato bazo travail na nenga solo parce que président Félix il faut aller ba que non le risque est plus grand que la réussite na opération oyo na décision oyo azui. Parce que ce qui est raté, parce que état de guerre, état de siège, et c'est le roi Bassar en côté. Même la France, c'est une histoire à France, au retard, là, que non, état de siège, et ça, là, je crois, il y a très longtemps, très longtemps, et ça, rare, bah, pays Ming, il va déclarer état de, bah, décréter état de siège. Président Félix, il a pris le risque, mais balance, et ça, plus, je pense, dans le niveau, il y a échec, qu'il y a réussite, puisque, à Tiki, quand, bah, généraux, on a. Car bateau baza acquisé na réseau wana ou baza vraiment quoi alimenter réseau wana a tiki baron a bougé à temps tout monté et puis dans le na yo démontrer que non a tchekaka ba gouverneur militaire bateau yo baza na bateau ba travailler qui pour na Rwanda na pour na Uganda c'est ça qui est plus dangereux donc échec na yé et que ça là que non à connaître un régime national. Il y a pas Congolais ni ça. Voilà, la Mouka sa déclaration, alors dit que mon bazar d'accordé n'engue pas dans ça l'état d'urgence. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la Mouka la déclaration de salaire aujourd'hui? Moi, je pense que la Mouka, ils ont un problème, mais il y a crédibilité parce que il faut y que non, Mouzito déjà, mais on a pas français Martin Fayulu. Je pense qu'il aurait dû quand même. Côté Ghana, on a parti naé à militer Ming, à mener combat Ming na parti naé, parce que Babylon ko yaba ba regroupement politique à Ming mais na période d'élection où ceux qui ont continué combat, mais il y a aussi des acteurs crédibles les Bamoubaké, Bamokonda Bonza, bato peut-être, je pense qu'à Kougaïko s'allier na Bango parce que Mouzito aza très sali et je rappelle que notre porte-parole il y a gouvernement. Patrick Muyaya, Aza Bokilo Yamuzito, Abala Mwana, Yamuzito Yalboso, Bachayewana compte ya Kotana Bango ya Bandundu. Et Mouzito m'a proposé qui est. Mais comment tu peux sa crédibilité na ba opposant à Nengwana? Et puis Mouzito, il a un dossier, il y a enrichissement illicite. Né tout le monde, on le baza pour comme quoi acquise ba kabon, ba tout. Atira jamais. Expliquer à tout n'est ni à salapo à comment en bon on est voilà Martin Fayulu. Je pense que il doit quand même prendre conscience de tout ça parce que je me rappelle que non, à un moment il avait quand même acquisé Mouzito de qui a Zogi Mbongo à illicitement tout ça. Est-ce que c'est pas parce que Mouzito aujourd'hui m'a mis financier n'a aussi, je sais pas. Il y a un mot dans le binôme. Est-ce que et cause à la crédible n'a mis soit battu. La mouka en le sous parce que na moni rapprochement na Mouzito wana et comme de plus en plus makasi et ça quoi inquiété parce que toktoebi passé ya Mouzito passé criminel ya Mouzito pour ça craint ou pas déclaration Mouzito ya bango contre état de siège bon
Natanga qui rapidement rapport Nabango sur l'insécurité à l'est, Bazolo Baboué, que les régions Yakivu, Naituri ne sont pas contrôlées militairement par Kinshasa. Là, ils ont raison. Et puis, Bazo parlait d'un risque possible que l'état de siège est à la manœuvre, pour museler, pour la liberté d'expression, et ils ont compte rendu Nabango. Et aussi, ils ont la stratégie, que l'état de siège, bongo ciment, bakoti saba étranger, dans le secteur, on a comme a toujours été la finalité. Ça, je dis bien, c'est le compte rendu. Il y a les deux, Mozito, na Martin Fayoulou. Et aussi, quelques questions possibles, Bazar s'est posé où se trouvent les éléments de la FARDEC qui avaient mis en déroute les armées rwandaises, les Ougandais et le M23. Bazar s'est posé selon les rapports. Et que sont devenus les seigneurs de guerre de l'Ituri que Félix a libéré de la prison de Ndolo? Ça, c'est les rapports. Il y a la Mouka. Oui, on peut dire aujourd'hui la Mouka, malgré aujourd'hui, Bazana des tendances. Et puis, à la fin, il y a un rapport en Bazolo Baké. Il y a l'amateurisme du régime en place, refus de dévoiler l'identité de nos agresseurs. Bon, c'est vrai que pour une identité d'agresseur, moi, je pense qu'il y a eu un discours diplomatique. Il a fallu quand même dire que. Pays où ils ont source en malheur, Nabiso Lelo, ce n'est pas le peuple rwandais, ce n'est pas le peuple burundais, ce n'est pas le peuple ougandais, mais c'est le régime. Parce que même le rwandais, ils ont soutenu par le régime ougandais. Le régime rwandais, le régime ougandais et burundais, bango muntu ba comment co-utiliser ba rebelles pour déstabiliser la RDC. À part, il y a Metega en avant ADF comme groupe terroriste. Et d'après Ngaï, moi, j'ai suivi plusieurs crises en France. En France, apprenant les logos Mogoboué, Baloba Boué, ce qui le pays est en guerre, opposition dans le pays et à la société, antagonisme et à la société. Ça, j'ai appris ça. C'est-à-dire que, par exemple, les lots Congo et à na état de siège pour l'intérêt de la nation. Pour il a fallu à consulter Batouana Nyonso, c'est-à-dire au consulter le Sénat, au consulter le Parlement et aussi au inviter opposants bas partis politiques pour les informer. Ah, en France, c'est les Karandengwana. Voilà. Allez-y, professeur. Donc, culture politique, Ezolak Sabisoke. Tant que le pays est menacé par l'ennemi, l'ennemi est un ennemi commun pour les Kenyans, les Congolais, il y a une divergence entre les Sangani pour les Bundisa. C'est ce qu'on appelle, comme tu as dit tout à l'heure, le véritable union sacrée pour la nation. Pour la nation. Il y a des gens qui ont opposants. Donc, le président Félix aussi, il a fallu aïe mbaba opposant Nyonso, aïe bisabango, tala démarche nangaï, ezali, bouye. Ezali te, eza débat entre Bissou et Bissouba Congolais, mais ezali contre l'ennemi commun, donc, eza tout à fait normal, à sa la transparence et l'antagonisme na période où ezali raté, on garde silence, on soutient. Le magistrat suprême. Est-ce que Bangé Baya aussi, parce que tu es orgueil à homme politique congolais, est-ce que Fayoulou ou Babing Sekaye Kouya aussi? Parce que déjà, la circonstance est bien au Congo, à Boui Kouya aussi, je reviens à M. Kamani. Et il y a une invitation officielle. Ce qui a été, il l'assume, c'est tout. Allez-y, M. Kamani. Je pense que dans le discours, il y a eu fin la coalition restreinte entre Yena Kabila, parce qu'il y a eu élargi. À partir de Wana, il fallait normalement qu'on envisage qu'on déclare état de guerre, état de siège. À partir de Wana, ce qui a déclaré, il a convoqué toute la classe politique, même la couche Nyonso. Il y a Mboka, diaspora comprise, à savoir que non, problème priorité, c'est qu'ils allaient mettre fin à la guerre à l'Est. Même M. le maire à l'Obaï, non, il a tardé, il a trop tardé. À partir de Wana, il Nyonso, il a payé sa contribution à Bango. Même les Fayoulou, tout ça. Parce que ce que les gens ont intérêt à Mboka pour la paix, lutter contre la paix, tout le monde a un ennemi, il y a un ennemi. Dans Israël, quand tu as lobby, il y a un ennemi, il y a un ennemi. Dans Israël, même, il y a
gouvernement de guerre, sangi si ba parti nyoso, to sali gouvernement de guerre contre l'ennemi, et cause à Palestine, et cause à temps sous Liban, ainsi de suite. Moi, je pense que il fallait qu'il y ait la démarche, moi, il y a Néwana, qu'on déclare d'abord que non, à sa intention, il y a que les pays est attaqué, on est attaqué, il faut déclarer comme ça, déclaration, soit il y a état de siège ou état de guerre, mais à consulter dans toute ma couche, non, sur Yamboka, à partir à Wana, tout va couper sa idée. Wana n'a pas de décision et puis que ça gouvernement ou réunir Batunyoso uniquement pour na ko ramener la paix à l'Est. Je pense que c'est ça que le président de la République devait faire. Mais, et puis, qu'on bloquer la frontière, il y a les trois pays où on a problématique, voire même que ça la ligne de démarcation, Tout le monde a entre les deux Corées, la frontière, na bango, ils ont la ligne de démarcation, entre Corée non, on a Corée du Sud, il fallait que ça, on a les trois pays où on a. Et puis qu'on remplace bah officiers militaires nyonso au bazar la responsabilité bah chef à zone militaire bah région militaire dans est bah tout nyonso au bazar bah criminel reconnu partout voire même bah rapport nyonso il fallait qu'on longo la bango nyonso mais à garder bango à ramener grand bateau hier bazala qui en connivence na Uganda na Rwanda à tché bango wana je pense qu'il y a quand même bah question à se poser voire même ceux qui cinco le lot Azolinga a simisé na kati ya situation là peut-être il y a quand même un farfelu na makambwana. Voilà, tout comme la fin émission là, vraiment question au pour tout clôturer cette émission affaire fictif aussi affaire fictif ou salami ou bakangi aujourd'hui ministre Bakonga na mon bakangi na Brazzaville est-ce que n'engi bakangi bon bakati les 3 ans pardon parce que le but qui on est allé justement pour akima qui na Brazzaville moi na yé a juste 6 mois est-ce que bakonga aussi par responsable nyonso parce qu'il y a des catholiques, il y a aussi dans l'école privée, dans le cadre politique, nous sommes dans le la classe politique pourrie en Mbogana Biso, envoûtée, ou nous sommes dans le Bangwana, ça la rende Mbogana. Ce qui est soupçonné, ce qui est acquisé, ce qui est nous sommes dans le détourné Mbongo, ah non, non, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves matérielles, tout le monde a une caméra. Mais il fallait quand même qu'il y ait un Mbongo. Et puis, ce n'est même pas le Congo. Hein. Ils ont quand même un service, il y a renseignement, il y a Congo, Brazam, Bakangi, et Nambongwana. Ceux qui ont été, ils ont été, Je pense qu'il y a quand même un problème, il y a conflit d'intérêts, parce que Moutouana, a une école de Bélé, une trentaine d'écoles, Madame Sauce Savigné, a eu un professeur à l'école Naye, a Tchébango, a foutu un bango, a compte, il y a l'État congolais. Peut-être, on n'a pas le temps, on aurait dû en parler quand même un peu à la longue, parce que dans le ministère, on a expliqué les vrais problèmes. Azu a une trentaine d'écoles. Bozu muto nengwana botie susu nengwana na kati ya ministère ya enseignement primaire et professionnel. C'est un peu comme Ozu gouverneur mo sa la trafic à diamant, Ozu otie gouverneur ya Kasai place diamant za ya to moni ba résultat, il y a deux gouverneurs au basali et l'autre monté, il y a suka ba oti ko bengana. Je pense que le président de la République il faut azala quand même na moi coriacité mo boy. Fermeté parce que dossier on a depuis ça fait un an. Que bah soupçon bimaki IGF bah ça là il rapport bambongo na classe politique bambongo na bismani na komona aide yate ceux qui bah évidemment non 100 millions de dollars et quoi atterrir quelque part bangonyoso baza excité yambongo wana et ça il y a eu une complicité un réseau oh ya bato bah mais ça là qu'on détourne bon parce que les lots ceux qui bah kanga qui était bah linga qui tonga toi et de l'autre moi je pense que le fait que ils ont trop laissé traîner dossier wana c'est qu'il y a ma complicité parce qu'un projet phare, il y a chef de l'État, il y a gratuité et enseignement, il y a eu des irrégularités constatées, démontrées, dénoncées. Même ma collaborateur n'est pas incapable de faire arrêter Moutouana ou de suspendre le ministre. Il fallait que non, à Kenneti Nasuka, imagine-toi le 2 millions de dollars, il y a combien de Nasuka, Abima, 2 millions de dollars. Au bas kanye na yango et bongo au abima nango avant bah mon a été parce que ça clique et ça y est mon côté parce que il y a aussi les catholiques professeur bah accusé bango aussi une centaine des écoles catholiques aussi et y est banaté c'est un réseau mafieux donc voilà. Je pense que aujourd'hui parce que l'école catholique dit que ça l'école monsieur Suyakala et tout ça mais bah ça rend bon voilà lorsque maintenant on dit que il faut catholique aussi, bah, qu'il y a un État congolais ou une investigation, ça pose problème aussi. Est-ce que l'État congolais est aussi capable de voter même une école catholique?
Alors, il y a deux volets dans la question d'ailleurs. Moi, je pense que pour déjà le ministre, l'ancien ministre d'enseignement, condamné pour 3 ans y a prison. Et pour quelles raisons? Parce que d'abord, Bengi Sakaye pour na aya pour une enquête ayaté convoqué il y a 10 jours par la justice pour présomption de malversation financière. Ayaté a préféré qu'au Katsanaye de l'autre côté il y a clandestinement avec des faux papiers. Oui, bon, là je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, mais bon, Akatsi Bakangiye avec un montant. Ils ont la règne impunité parce que maman ou ango ou peut toujours et tu m'as la moitié. Donc tous allés. Même si on a fait si bon boué et au bimara va t'as 100 000 na kilo. Allez-y pour ça. Ils allés. Déjà la leçon c'est quoi? Nous sommes dans ce qu'on appelle le règne de l'impunité et à part règne de l'impunité, c'est-à-dire lobby photo moralisé. La gouvernance de la République. Jusqu'à présent, tout ça n'a pas été. Donc, tout ça n'a pas été fait pour photo ça là pour atteindre l'objectif. Pourquoi? Parce que, un, besoin de gratuité enseignement, mais il faut une mesure d'accompagnement. Il faut une mesure d'accompagnement. On sait qu'il y a beaucoup de alliés. Et puis, bactères politiques, ils ont sabotage. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que lobby, si par exemple, le lobby qui est même catholique, il y a un dossier, moi, je pense que l'institution, il y a moins de étiquette crédible dans le Congo. Il faut le dire haut et fort. C'est des catholiques. Mais bazo iba parce que quand attend avec l'école catholique aussi, mais bazo iba parce qu'on a plus de centaines des écoles où bazo un bon professeur, un bon fonctionnement, un bon catholique est impliqué. Alors là, on attend le résultat de l'enquête, mais au-delà, il y a institution news on a yébi. Je ne suis pas le défenseur, il y a une institution, mais je suis en train dans un esprit d'impartialité, naïebi que institution, moi moukè ou etikala crédible, et ça bango. Ce qui le lo, bakouti ba, bakouti si bango. Non, ne rentre pas dans ces dossiers-là. Donc ce qui le lo, bakouti si bango na elo kwana, soyons patients, on attend les enquêtes, enquête mou crédible, tout zonga awa, pona, to évoquer le débat. Et je pense aussi. Parce que l'intérêt, c'est quoi? On cherche toujours que éducation et mata. Parce que l'éducation, c'est une puissance. Ceux qui ont éduqué, tu as une puissance pour l'avenir. Ceux qui ont éduqué, on est pour l'avenir. Mais c'est comme ça, 10 secondes aussi. Il est vraiment impitoyable comment la moto s'est comportée. Mais surtout, il a apporté un soutien dans la journaliste Paulette. Il a quand même insulté partout. J'ai l'impression que de côté, il a été mauvais, un état caustique. On a 10 secondes. La virulence. Na sens il y a tolérance bazan en côté puis démocratie est commis presque inexistante bazo manifesté bazo kanga bango tina bana bazo empêcher bango. En tout cas je pense que non ngembo kana ceza on s'est dirigé, il faut tout se réveiller, tout ça très très attention. Merci beaucoup. Un mot pour na faire des séries dans l'est Congo. Je pense que ngai soki la diagnostic wana on a lobby. Et ça, quand même, trouver solution en gros. On peut faire quelque chose, mais il faut changer dirigeant, donner des moyens. D'abord, officiellement, au bazar des élites, pour être crédible, pour que ça là quelque chose pour Namboka. Parce que, professeur, un mot pour la FARDC. Alors, pour Namboka, on soutient la FARDC. Au-delà, il y a des difficultés à te présenter. Rêve Nabiso Zali, Bande Konebiso Est, Bazala Pacifié, Kimé Kota, Tozala, Na Dignité, Na Bande Konebiso Est. Merci beaucoup, professeur Kwangenda. Je rappelle que vous allez universitaire, écrivain, maire honoraire à Champigny-sur-Marne. Merci aussi à M. Kamani Pascal, je rappelle, analyste politique et aussi président du club de recherche pour le développement durable et démocratique du Congo. Soutien à FARDC dans l'Est de la démocratie du Congo, toujours soutenir Bino parce que ma femme Nabino, c'est là aussi, Bozon, la Banda, et Bélé, beaucoup de femmes, Biso, Nabino aussi, on dit beaucoup de femmes la population. Soutien à Nabino, vous partagez cette émission et surtout vous abonner. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'infos.